On veut un lieu où la nuisance est considérée comme de la musique. Un village où on peut passer la journée. On veut un lieu qu'on puisse même pas imaginer. On veut un lieu qui soit pas un lieu. De construire une histoire. De partir d'un programme et pas dans un centre culturel. On veut pas un centre culturel. À Genève, il y a plein de différentes institutions culturelles, mais quelque chose qui nous manque, c'est un espace pour créer la culture dans laquelle que nous, en tant qu'êtres humains, comme citoyens genevois, on est vraiment on se sent capacité et on peut interagir et apprendre et expérimenter ensemble. In a sense, it's a place where we regroup a lot of the history around culture in Geneva, and this place is going to be that rayon de savoir, on va dire, presque comme un musée vivant. Vraiment, c'est basé sur la visibilité. Il faut que ce qui se fasse dans ce bâtiment se voit, s'échange, et pas qu'il y ait un cloisonnement. Et puis, on avait envie d'ouvrir. Donc, est-ce qu'on peut amener les choses à l'extérieur? Et puis, vu que c'est aussi le quartier de l'Étoile, on s'est dit que ça peut partir en rayonnement. Donc, qu'il y a des activités, quelque chose qui se passe là, et puis qu'on l'explose à l'extérieur. Quel que soit le moment de la journée où on vient, on peut venir, il se passe quelque chose. Il y a un endroit où se poser, quelque chose à faire, des gens avec qui échanger, avec qui discuter, ou même simplement un espace de travail. C'est un espace qui est donné pour la créativité. Un premier élément qui nous semble être très important, c'est que le projet doit commencer dès demain et que c'est un processus.